Bonsoir à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence gaming qui n'est autre que le futur Games Show Spring Showcase qui débute. Eh bien là maintenant tout de suite, regardez, les choses sont extraordinairement bien faites. Vous êtes au bon endroit pour savourer le meilleur de l'actualité JV et ce soir c'est 50 jeux, 50 ça fait beaucoup, hein, qui vont être présentés dans cette émission. Émission qui commence, wow, mais maintenant en réalité, ça y est, on est dedans, c'est parti, on lâche les chevaux et on va, je l'espère, passer un très agréable moment tous ensemble. En tout cas, ils mettent les petits plats dans les grands avec 50 jeux, 1h30 de show annoncé, des surprises, des world premières. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Allez, c'est parti. Salut à tous. Le futur Game Show Spring Showcase. Donc, Samantha Berthe, qui a prêté sa voix à des personnages dans Baldur's Gate 3, entre autres. A veritable feast Benjamin. Of trailers, yes, Samantha. What did I tell you in rehearsals? Oula, ça y est, ça commence à partir, oui. Vous avez vu qu'ils se sont habillés exactement de la même couleur. Et donc, en l'occurrence, lui prête sa voix à Clive dans FF16. I'm Ben Starr. C'est Ben Starr. Voilà, il se filme tout seul dans sa chambre. Voilà, Clive Rossfield, c'est lui. Beyond the endearing back and forth. It's not endearing. Agree to disagree. Sam and I are here today to get you up to speed on the most exciting video games of the moment. So whether you're voilà, watching les jeux les plus excitants du moment vont être dévoilés ce soir. Stick close to Mama K. And Mama C. And we'll get through this one together. Let's kick things off with allez, c'est parti. On and commence avec une world première. World premiere. Eh oui, ça commence par une world première, ça y est. Pour réussir son entrée et sa sortie, 66. Une ville futuriste. Backman Media Network. Alors attention, de quoi s'agit-il? Speed. Numéro de série. Oh, attention. Feed Live Night Show dans 30 secondes. Avec des masques, etc. C'est quoi? Ça va être... Clone Jockey, d'accord, ça va être des courses futuristes, ça. Un peu ambiance Wipeout. Lui, il fait très Master Chief, mais ça n'a rien à voir. Alors, attention. Il se prépare. Ils vont monter dans des véhicules, j'imagine. Ils vont pas être... Ils vont pas faire la course à pied. Ouais, regardez, il y a des véhicules. Ah non, si, regardez. Si. Et tu peux faire du wall run, etc. Visiblement. Ouais, c'est du rollerball. Death Sprint 66. Ok, la course de la muerta, quoi. Et ça arrive en 2024. That was your first look at Death Sprint 66, a cela PvP étant, arcade racer coming in 2024. Now, before you all, Death Sprint, il dit arcade racer, hein. Voilà, mais enfin, ça a l'air racer de la course, quoi. Ça arrive l'année prochaine. This is where you can find and wishlist every game featured in the show. And after the show, you can head to the FGS YouTube channel where you'll be. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Oula, attendez, allez, oh, hey, je me chauffe. Bon alors, par contre, on a quand même rien vu. Autant être honnête, hein. On a vraiment rien vu du tout. On a vu une cinématique. Next up, we've got a brand new trailer for a game. Elle dit, c'est le moment de donner aux gens ce qu'ils attendent, et lui il dit, moi sans fringues ou moi avec plus de fringues. Ah, un jeu d'horreur visiblement. Dans un zoo. Oh là, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Zookosis? Sauver les animaux. Oh, attends, là c'est super original, c'est super chelou là. Vous avez vu là, la girafe au long cou? J'en ai mis partout. Cette émission commence sur des bonnes bases. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est assez surprenant ça.
Oh là, ça va sortir du zèbre là. Oh là 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 là, des créatures très très cheloues. Ah, je regarderai plus jamais les girafes pareil. Voilà, avec sa petite langue là. Il y en a une qui va pas très très bien. Oh là. Oh mon dieu. Une girafe arachnide. Zoukosis Rescue the Animals. Eh ben, vous savez quoi? Je vais me le noter. Parce que lui, il était Zoukosis. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc, PC 2024. Ok. Franchement, Boval en sueur, quoi. Harold Halibut. Oh, Harold Halibut. Hey, il commence bien ce show là. When the ship crashed, Harold Halibut. If life as we knew it would collapse in on itself as well. Rappelez-vous, c'est ce jeu où les personnages sont faits en pâte à modeler. Un petit personnage là comme ça. Tout animé à la main. There aren't many people I can talk to without feeling inferior. Oh, thanks. L'ambiance est très particulière, mais franchement, regardez, c'est... Il y a un côté absolument... Oui, c'est ça, c'est Harold Fletton. Les slow bro. C'est super bien fait. C'est-à-dire que les décors, pareil, je crois, ont été fabriqués, et après scannés, ainsi que les personnages. Et puis après, ils rajoutent des effets, évidemment, mais regardez ça. Franchement, ça me chauffe à fond. Regardez, ça a l'air complètement cosmique. C'est très beau. Non, plus ça avance, plus ça a l'air chouette. Alors avec ce personnage-là, avec cette tenue multicolore, là... Alors après, je pense que c'est un jeu de petites enquêtes, de discussions. Franchement, oui. Ah, attendez. En plus, vous avez vu, les angles de caméra sont beaucoup plus variés que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Il y a des séquences en vaisseau aussi. Ok, il va partir dans l'espace. Ça a l'air assez poétique, en fait. Hein. Harold Halibut. 16 avril. Oh, finally, ça... Players can dive Harold into the stop motion world of Halibut on PC, PlayStation and Xbox on 16 avril. Let's keep this party going with a developer team behind Flintlock, Xbox Series et PC. Ah bah alors ça franchement c'est dans moins d'un mois maintenant. Hâte de le voir ça. I'm Matthew Woods. I'm alors Flintlock est pour l'instant très bon show. C'est varié, c'est rythmé. On est bien. Et merci beaucoup, hein. Vous êtes super nombreux, vous êtes plus de 2200. Ça fait plaisir. Vous envoyez de la force. N'hésitez pas à partager à fond. Donc rappelez-vous, Flintlock, on l'avait déjà vu à de nombreuses reprises. Merci mon LOS. Merci mon Farming Room. Rhythm based, which from animations I mentioned, you'd be able to feel the rhythm through the animation. Pour les images, sur les tweets. So every 9 frames is like a beat. So you'll be able to make sure that the player. Alors, jeu, action, aventure, probablement avec des petits éléments de light RPG. I think my favorite animation for Nora is just like her basic moveset. Donc, elle se bat avec une hache et un flingue, ou une arquebuse aussi. Some of the traversal options in game would be like jumping, double jumping, dodging, air dodging, sliding down hills, inky, rift traveling, and being able to like change between those. Ça a l'air bien bien péchu. Vous avez vu avec les doubles sauts, on rebondit encore, on glisse, on repart. It's good to find out the glory kills, they're usually the more. Les animations sont stylées. Choreographed moves, and the ones where you get to take control of the camera to really les postures the framing of the action as well. Bien classieuses. Ouais.
Here we get the world doing all of your jumping. Les éclairages sont trying to keep him in frame to plutôt chouette. Slide alongside you or jump alongside you. Flintlock. Été 2024, franchement, ça a l'air plutôt chouette. Mm-hmm. Ouais, elle a l'air au bout de sa vie. Voilà, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? No comment. Next up, we pas have de commentaire. Ah ouais, ok. As a masked warrior in a world trapped in an eternal. Il y a toujours eu un humour dans cette émission. Et merci encore à Fournaise qui balance 5 nouvelles abonnements Insider. Je crois qu'on est presque aux 50 abonnés. Merci. Alors. Mentors, friends and lover alike turn against you. De quoi s'agit-il ? Ces masques inertes qui ne laissent présager de la destinée. Enotria, The Last Song. Classe, classe, on aime bien. Il y a de l'envie, il y a du style, il y a de la couleur, il y a du chant, il y a des lances, il y a des nez pointus, cure du tutu, chapeau pointu. On sent le petit Dark Souls-like des familles, hein. Il y en a genre un peu beaucoup, un peu trop, vous trouvez, ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais dans un univers différent, clairement. Mais voilà, une sorte de Souls-like italien, quoi. Enfin, en Italie. Avec les masques de Sganarel, de la Commedia dell'arte. Waouh. En tout cas, ça se bat fort, hein, ça se bat dur. Effet de zone. Grosses armes. Les armes, globalement, sont toujours plus grandes que le personnage. Hein, ah bah ça, Rob Knight, hein, Elden Ring a bien relancé les Souls-like. Ça, il n'y a pas de mystère. Ces ventes ont dû faire tilt dans la tête de plein de gens en se disant « Mais attends, il y a un nouveau public en plus. Vas-y, on fonce, let's go, quoi. » Et ils auraient tort de s'en priver. À partir du moment où c'est bien aussi. Hein, voilà. Parce que bon, il y en a qui essayent, il y en a qui réussissent moins. Zbram Enotria de la Thong. 21 août. Ok. Ah, the swirling maelstrom of creation. 21 août. Magnificent. Juste, c'est sur quelle plateforme? Is it not? J'ai pas vu. C'est sur PS5 et PC. Ok. PS5, PC. Ah bah il y a aussi Xbox. C'était pas marqué, c'est pour rien, il n'y avait pas le logo. Mais c'est Xbox. Alors attends, qui se trompe? Le trailer ou le mec qui a fait la voix? Si des gens peuvent aller checker sur les internets en tapant Enotria pour savoir s'il sort vraiment sur Xbox ou pas, parce que dans le trailer, c'était pas indiqué. Mais là, dans la présentation, ils le disent. Alors, je ne sais plus à qui me fier, moi. Je dois croire qui, moi? Je sais pas, moi. Oui, alors, vous avez entendu toutes les plateformes. Ils ont dit toutes les plateformes, mais dans le trailer en lui-même, dans les logos, il n'y avait pas Xbox. Il y avait PS5 et Steam. C'était la démo sur PC et PS5. Ah, attends, hé. Je veux en avoir le cœur net. Enotria. The Last Song. Tac. Tac. Boum. Je suis sur la page du jeu qui est en train de charger. Accept all. Ouais, coming to PC, PS5, Xbox Series. Ok, alors c'est quoi? C'est juste la démo qui arrive que sur PS5 et PC? Pareil, je veux en avoir le cœur net. Voilà. Eh bien, on ne saura pas dans l'instant, parce que le trailer n'est pas encore disponible. Eh bien, c'est pas grave. The Constructors. Okay.
Voilà, un city builder. Oh là. Tenebris Somnia, an 8-bit survival horror game with live action cutscenes. Un jeu de survie 8 bits. Voilà. My name is Andrés Borges. Cette langue horrible. Argentina. I'm also a game developer. Un jeu argentin. The game I'm working on right now, it's called Tenebris Somnia. Tenebris Somnia. Survival horror game. Alors, like voilà, survival horror, mais 8 bits, quoi. En 2024. Ça le mérite d'être original. Ok, les cinématiques sont filmées, mais le reste du jeu est en 8 bits, c'est original. And I said, okay, let's do like a Nintendo game and a movie. In every horror movie, every horror game, when you see the monster, it's a bald guy or girl, big teeth, I mean white eyes or black eyes, naked. Very thin, very tall. It's always the same. It got to il dit c'est toujours pareil dans les films d'horreur, c'est toujours un really grand mec ou une grande nana avec des dents blanches, des yeux. Unique. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on allait le faire unique behind the scenes of the filming, the live action segments. When you make vous avez vu la tête là, à l'envers. The whole thing. You have the beginning, the middle and the end. But here, it's like you're filming small parts of the story, separated. And the thing that glues them together is the game, the gameplay. I ouais, really la chose qui va sure of what lier le film, en fait, c'est le jeu. Really ouais, bah, c'est plus original que le pensait du de prime abord. And you see everything in pixels. You don't really see her face, for example. And suddenly you see the actress in like real close-up. Oh là, mon Dieu. Want more. At the end of the thing, it's a love story. Anyone elle est flippante avec sa tête à l'envers. The important thing is that you understand the love story, and anyone can understand the love story. For the moment, we only have a playable demo. Which is on Steam. Tenebris Somnia will be il y a une démo sur Steam. Sometime around 2025, you can follow us on et ça Twitter sortira en 2025. Ok, bah original au moins. Yeah, I'm going to head back over to be by your side for no reason whatsoever. Thank you, Cyborg. Ok, elle est de retour. For reuniting us and for that spine-chilling glimpse of Tenebris Somnia, which is coming to PC in 2025. But if you can't wait that long, a playable demo is available right now. Et donc la démo est dispo maintenant. With all things future games show on social media, you'll know this broadcast is currently streaming live at PAX East in the Albatross Theatre as part of the official schedule. If you're there in person, hello. If you're not there in person, ignore what I just said. Which was exactly. Mm-hmm. You might even see us wandering around. Okay, c'est diffusé aussi à la PAX East qui se déroule actuellement en ce moment, etc. Donc il disait bonjour à ceux qui le regardaient en direct de là-bas. Finally being loved. Metatextuality aside. This next video will give you the lowdown on what's happening at PAX East over the coming days. C'est un humour très particulier. Alors, la PAX East, voilà, qui se déroule actuellement à Boston, dans le Massachusetts. Voilà, donc le petit instant qui rappelle que oui, il y a encore des grands salons de jeux vidéo, que ça existe, hein, avec, bon, avec des masques, maintenant je pense que ça va. Enfin, j'espère. Voilà, là je pense que c'est des vidéos des précédents événements où c'était encore un petit peu pas trop revenu, quoi. Et maintenant, ça va. J'étais à la Gamescom en août dernier. Plus de masque, hein. C'est fini. Ça fait bizarre, d'ailleurs. De se dire, c'est passé, c'est arrêté, ça reviendra peut-être, on sait pas. Pas trop kiffé, moi, cette période. Donc, différents jeux qui sont présents là-bas, voilà, Dustborn, il y a plus de 300 jeux qui sont dispo, allez, jusqu'au 24 mars. Est-ce qu'il y en a qui sont des États-Unis là, qui regardent le show? N'hésitez pas à me dire. If you aren't there yourself, check out twitch.tv/pax to keep up to date on all the show-related news. Back to it now. And we've got a new trailer for Dustborn, a road trip adventure. Alors, bah justement, on évoquait Dustborn. Eh bien, nous allons découvrir Dustborn, un nouveau trailer, voilà, juste pour nos yeux complètement ébahis. Donc on a on prend visiblement on est un groupe voilà, qui se balade. OK, et qui embarque son petit groupe tous ensemble. Allez, son strike de l'enfer qui a fait écraser le truc.
Donc, on sort la batte de baseball enflammée carrément pour combattre des personnages qu'on pourrait croire sortis de Mad Max. Bon, pas tous, pas ceux-là, ceux d'avant. Voilà, un petit côté Road 96 avec de la baston, voilà. C'est ça, et du coup pas trop pareil quand même. Mais... Dustborne. Ah, mais attendez, Dustborne. Ce petit groupe de potes, etc. On en avait déjà entendu parler. En tout cas, ça a l'air d'être une folle équipée. Voilà, ils ont l'air de vouloir tous être bien ensemble. Voilà, créer des liens avec votre crew, avec votre équipe de perso, quoi. Voilà, donc les relations sociales vont être au cœur de cette équation. C'est un jeu qui a l'air pas de se prendre super au sérieux, quand même. Et plutôt joli, hein. Enfin, en tout cas, la petite réal... quasi cel, enfin, assez proche du cel shading quand même. Voilà. PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC. Dustborne is coming to PlayStation, Xbox and PC later this year. And we've got more to share about Dustborne. C'est très bizarre parfois comment il parle. So make sure you stick around. Sam, come with me. How do you feel about cocoons? Cocoon? Yeah, you know, a safe, quiet place to be nurtured. Synonymous with butterflies and the film from 1985. Attendez. Well, attends. Our next game is a cosmic horror Metroidvania. Wait, what's happening? You'll see. Attends. World premiere. Attendez. Product not yet rated. Ah non, j'ai cru pendant un moment. Pendant un moment, je... Enfin bon, c'est pas grave. Oubliez. Il sort d'une espèce de petite glu noire étonnante. Voilà. Un Metroidvania. Virevoltant. Rapide. Pour tout vous dire, à un moment, je me suis demandé si c'était pas Silsong. Mais, parce qu'on voyait des images au loin et tout, je me suis dit, oula, ça a l'air d'être un Metroidvania, machin, un peu 2D comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Il y en a beaucoup aussi des Metroidvania ces derniers temps. Hein. C'est un genre qui reprend du poil de la bête, doucement mais sûrement. Jamais parti non plus du jeu vidéo, mais si vous ne l'avez pas fait, honnêtement, je ne saurais trop vous conseiller de jouer à Prince of Persia The Lost Crown, qui est sorti cette année, là, janvier, qui est une dinguerie. Ok. Je vois dans le chat qu'ils disent « Ça aussi, il y en a trop !» Void Brute. Voilà. C'est pas simple à prononcer. Void Brute. J'en rajoute un peu, mais Void Brute. Void Wrought is coming to PC. Ah voilà, c'est ça. Void Brute. Void Brute. Make sure it's on your wish lists. We deserve a pat on the back. We've stayed on track. So far. Full steam ahead, if you know what I mean. En tout cas, une belle variété de jeux. Et mine de rien, le temps passe, on le voit pas trop passer. Ça fait déjà 22 minutes quand même, mine de. On a eu plusieurs world premières, bon, toutes pas non plus, voilà, mais pour l'instant, je retiens quand même Zoukosis là, avec les girafes aliens bizarres, horribles. Harold Alibot, on a enfin la date de sortie. Et franchement, ce jeu a l'air d'être une véritable pépite. Et Elotria The Lost Song. Qui, ma foi, était plutôt chouette. Voilà, donc on est pas mal. Je continue à remplir le petit listing, comme ça, si certains l'ont manqué, bah, vous aurez le petit récap. Voilà, c'est un jeu qui va dérailler. Okay. Quel humour. Il est caustique. Hein. Yes, well, there's good news because we've got a good one. Merci mon Fournaise qui offre un abonnement Insider, merci beaucoup. Calme-toi mon Fournaise. Parce que là il n'y a plus le chat et tout, donc on peut pas, voilà. Alors, un petit jeu d'action-aventure là, qui mélange un petit peu, ambiance un peu Zelda, un petit peu Pokémon, un peu de crafting, du City Builder. Une petite ambiance médiévale, une petite chanson. Au clair de lune, Omega Crafter. Bah ça sort là.
Alors, il y a 50 jeux. Il y a 50 jeux. Là, on a déjà dû en voir une petite dizaine, hein, mine de. Voilà, des musiques comme on les aime. La Carole doit être en transe. Là, avec de la synthwave. Adaptez-vous, les amis. Blastez à gogo. Alors, futur game show, par contre, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est sympa votre show, mais boostez la qualité d'image de votre flux, quoi. Parce que là, je suis au max de ce que vous proposez, et ça pixelise quand même genre violent, quoi. On peut avoir des streams un peu plus flux-fluides. Alors, donc, ça a l'air d'être des batailles pour les biocores du shooter bien musclé, là, bien vitaminé, avec des hommes et des femmes en collant bariolé, bien sûr. Regardez, qui danse en train de se faire shooter. Ascendant. Là. Beta. Ascendant Infinity is coming to PC, and you can find out how to sign up for the beta by heading to www.ascendant.com. Turn out your pockets, Ben. No. Complètement atomiste. Les médocs font bon effet, c'est clair. So I don't have. Okay, fine. You can have one thing, and that one thing will be my fun. Qu'est-ce qui va sortir? La seule chose qui lui file, c'est son téléphone. Later this year, the Future Games Show will be delivering a showcase focused on mobile games. So to give you a taste of what's to come. Donc un petit focus sur les jeux mobiles. It was a bit about mobile games. So am I gonna get that back, or is it? Am I just? Allez, donc là, petit medley de jeux tournant sur mobile. Voilà, les mobiles qui sont de plus en plus puissants, bien sûr. Vous le savez, chaque année, une nouvelle version. Ce qui permet quand même de rappeler quand même à ceux qui trouvent que, par exemple, une hypothétique, même si c'est clair qu'elle arrive, c'est clair. J'ai pu voir les documents, je peux vous confirmer que c'est bien réel. PS5 Pro, mais à quoi ça sert ? Mais pourquoi donc? Mais si ça vous sert pas, vous avez la réponse, la prenez pas. C'est franchement fascinant. Êtes-vous obligé d'acheter tout ce qui sort? Non. Est-ce que vous dites la même chose des fringues? Ah, chaque mois, il y a des fringues qui sortent. À quoi ça sert? Bah, parce qu'il y a certains qui aiment bien, d'autres qui aiment pas, etc. Dans les restaurants, tous les mois, ils changent leur menu. À quoi ça sert? Bah, parce qu'il y en a qui aiment bien la variété, j'ai envie de vous dire. À quoi ça sert? Bah, n'y allez pas, n'achetez pas. À quel moment vous allez être obligé d'acheter une PS5 Pro? Jamais. Est-ce que vous avez été obligé d'acheter une PS4 Pro? Bah, non. Bah, alors. Mais laissez les gens tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah là 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 là. À quoi ça sert? Bah, ça va vous faire parler. Voilà, c'est déjà bien suffisant. Fondation Galactique Frontière. Voilà. Et prêt, enregistrez-vous maintenant. Ça y est, récupération de téléphone. Foundation Galactic Frontier is launching first on iOS and Android. And you can look out for more info about it and our mobile showcase in the coming months. Okay, as we all know by now, the Future Game Show has always celebrated the most exciting upcoming games. And from 2024, we're starting a Future Game Show Ones to Watch yearbook to keep track of what we're most excited about. These games are handpicked by the Future Game Show team and represent what they believe will be the talk of the town come awards season. And of course, no yearbook is complete without. Okay, donc c'est une sélection de jeux qui est sélectionnée. Une sélection de jeux qui est sélectionnée. Bah, je suis en forme quand même. Une sélection de jeux donc sélectionnée par les équipes du Future Game Show et sur lequel il faudra garder l'œil parce qu'ils pensent que c'est des jeux qui peuvent gagner des prix. So, please join us in celebrating our first entry into this prestigious album. Hellblade 2 les amis. C'est Hellblade 2. Popping graphics to boot. Hellblade 2. Attends. Mais oui. Most likely to make you jaw drop. Donc, qui a de grandes chances de faire vous faire décrocher la mâchoire.
Des nouvelles images de Hellblade 2. Hellblade 2 enters our future game show Wants to Watch 2024 yearbook, a whopping 7 years since the launch of Hellblade Senua's Sacrifice. Alors en fait, a story-driven action-adventure game from Cambridge developers Ninja Theory. C'est pas des nouvelles images, ça. Hellblade is memorable non. for its myth-infused world and unique approach to psychological horror. OK, j'ai compris l'idée. En fait, ils font un petit passage avec des gros jeux, des jeux qu'on attend tous, etc., histoire de pouvoir montrer des images et machin, et qui est une sélection de jeux sur lesquels ils pensent qu'il faudra garder le regard dessus. Je peux finir toute l'émission en parlant à cette vitesse-là, ça va être très relou. Donc je vais pas le faire. Mais clairement, c'est des images qu'on a déjà vues, et oui, clairement, Hellblade 2, il faudra compter avec lui cette année. D'ailleurs, je suis un petit peu surpris quand même, j'avoue, qu'on n'en entend pas plus parler, qu'on n'ait toujours pas vu vraiment de gameplay à proprement parler, enfin, vraiment, tu sais, une vraie grande séquence. Alors, certains diraient que ça, ça en était une, ok, mais bon, ça a l'air d'être un peu cinématique quand même, là, peut-être à la limite du gameplay. Alors que ça sort là, hein. C'est au mois de mai, et on est presque en avril, hein. Avril-mai, on est à 2 mois du lancement, hein. On est globalement à 2 mois du lancement, hein. Là, je pense que là, il faudrait que Microsoft fasse, enfin, je sais pas, un show dédié, un truc, tu vois. Parce que ça a l'air complètement fou, hein. Ça, pas de doute là-dessus. Enfin, moi, ça fait vraiment partie des jeux que j'attends le plus, hein. Mais on a juste vu quelques petits trailers qui ont l'air super impressionnants, hein. Augmented by eye-popping Unreal Engine 5 visuals. Ouais, visuel et Unreal Engine. Wow, Unreal Engine 5 qui envoie du ultra lourd, hein. Senua's saga Hellblade 2 is set to launch on May 21st, 2024 and is coming to Xbox Series X. C'est le 21 mai, les gars. On est le 21 mars. C'est dans 2 mois jour pour jour. 2 mois. Faudrait peut-être mettre la max là. Is the first game to enter our fancy little yearbook with more to come. En tout cas, super ambiance, super atmosphère. Mais bon, j'aimerais bien our friends at ES Digital Games who have not one or two but three upcoming games to show you. Allez, 3 jeux en direction de ES Digital. Voilà, on pas 1 ni 2, mais 3. 3 jeux. Rin Delora, the whole syndicate is looking for you and I found you first. Your father instructed me to play this. Et alors, pendant cela, regardez, je vais faire un truc. Comme ça, vous avez les coulisses de la chaîne. Je vais envoyer un mail important. Et parce que j'y pense là maintenant. Et que si je le fais pas maintenant, je sens que je vais oublier. Hop là, hop là. Voilà. Tac. Tac. The alchemist battles the strange. Hop là, voilà. Je vérifie juste un tout petit truc. Hop. Et comme ça, vous allez me débriefer là. Vous allez me dire ce que vaut le jeu, les jeux là qui sont montrés. Je vous fais confiance. Voilà. Go get them on your wishlist.
No Rest for the Wicked is the next game from Ori Developers Moon Studios. So let's throw it over to the team to see what we can expect from this voilà. Genre-bending action RPG. Comme ça, vous êtes dans les coulisses. Hein. En même temps, j'ai fait un petit peu mon taf, tac. Oh, attendez. Oh, No Rest for... J'enlève la tête quand ça devient ouf, là. No Rest for the Wicked. No Rest for the Wicked. Eh ben, ça a l'air vraiment très bien. Ça a l'air vraiment très bien. On avait vu ça, on avait découvert ça ensemble avec un beau direct. Moon Studio, donc les créateurs de Ori. Super série. Super série au club de Roté. Non mais regardez, le souffle du vent là qui emporte les draperies. Donc, ils veulent vraiment un système de combat extrêmement souple et vraiment le meilleur du marché. Ça se joue en solo et en multi. Housing and farming and all of those things. It's the kind of game that I always wanted to see somebody making, but because they didn't make it, we are making it now. Voilà, donc c'est vraiment le jeu qu'ils voulaient voir, mais que comme personne le faisait, bah ils se sont dit bah vas-y, c'est nous qui allons le faire. Ils sont comme ça hein, chez Moon Studio. Ça n'existe pas, bah on va le faire. Et c'est vrai que la qualité des éclairages, regardez, par contre, ça a l'air retors. Hein. Vous avez vu les monstres là ? Harold Alibot dans le Game Pass ? Voilà, oh, c'est bon ça. C'est bon ? Donc vraiment des grosses inspirations avec des combos et tout, donc pour les jeux de combat en fait. Non mais regardez. Vraiment, il y a tellement de plans différents et tout, c'est trop classe. Retraversal and discovering the world. So it's really not one game in particular we're trying to necessarily follow. It's we're just inspired by all of these different elements from all of these different games. We put it together and try to grow it and make it into the. Je regarde hein, parce que franchement ça me fascine. Je trouve que ça a l'air vraiment très chouette. Alors pour l'instant, voilà, il y a un early access le 18 avril sur PC, mais il sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series. Be available via Steam early access on April 18th. No Rest for the Wicked. It's coming to PlayStation and Xbox, and we've got even more exclusive details about that one in the post, Joe. Definitely stick around for that. Okay, up next is a new trailer for Holstein, a psychological shooter where you swap scenes. Un shooter psychologique qui s'appelle Holstein et qui a l'air d'avoir un rendu assez sympa là, 2D, un peu piquant. Allez, on est là, on roule dans la forêt, on explose son pare-brise, pas de problème quoi, let's go, on s'en fiche, ce n'est pas le voyage en fait, enfin c'est pas, normalement c'est pas de la destination quoi, c'est au sujet de la survie, donc oh là là, oh, putain vous avez vu là, oh là, attends, il y a des espèces de, c'est quoi, c'est des pics, des espèces d'herbes rouges, avec des petits effets là de flammes stylées. Waouh, et c'est très étrange parce qu'il y a des passages un peu 3D. Il y en a d'autres, c'est vu du dessus 2D avec incrustation du personnage. Waouh, c'est, je sais pas si c'est pas un peu trop vieux pour, enfin un peu trop rétro pour moi là. C'est est-ce que ça va pas trop loin là ? Holstein, Switch, Xbox, PlayStation, PC. Et ça sortira quand ce sera prêt. EV2 next, a futuristic shooter where you battle against otherworldly creatures in mech suits. Among the ruins of a shattered earth. Shattered earth. Rallies against an overwhelming invader. Overwhelming war for survival. Using powerful weapons, humanity suddenly stands a chance against a stand the chance the humanity. Allez, un shooter de plus, les amis, ça nous avait manqué. Ah oui, un bon shooter générique, comme on n'en a jamais vu. Mais franchement, par contre, on rigole, parce qu'on est là pour passer du bon temps. Mais elle est pas mal, cette petite conf.
mine de, il y a à boire et à manger, hein, voilà, mais il y a de la variété, on passe de trucs très 2D à de la 3D, de l'action, de l'aventure, du shooter. EV2, coming soon. EV2 is coming to PC in early 2020. C'est donc ça, dormir, ça fait tellement du bien. Nicolas Perret qui dit en fait les double A sont mieux que les triple A cette année. Il y a effectivement il y a un peu d'exoprimal anthem qui est tout à fait. Dans le royaume de la fantaisie et du destin. Oh, c'est Dragon's Dogma 2. Ah oui. Oui. Mais on n'avait jamais vu ce trailer. Ah oui, c'est Dragon's Dogma. Ah oui, c'est Dragon's Dogma 2. Ah, moi, je l'ai reconnu. Hein. J'ai quand même passé plus de 10 heures dessus. Je vais vous assurer que c'est Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2 qui a des trucs très très chouettes. Hein. C'est pas parce que j'ai pas tout aimé que je vous dirais que c'est pas bon. Et il sort bah demain là. Comme beaucoup de jeux. Rise of the Ronin. Voilà, bon, ça, Dragon's Dogma 2, vous avez quand même plein d'infos. That was the launch trailer for Dragon's Dogma 2, which is out tomorrow, March 22nd on PC. Voilà, le trailer de lancement qui sort demain. Quelque chose de très spécial. Ah, ça va être ce trailer, il va y avoir une performance de musicale, de comédie musicale. Shaking their heads. They'll regret this at the rap party. Anyway, instead, we're throwing it over to LA for a special performance of Home to Home. Donc, from the Haunty soundtrack. Oh, and look out for a release date announcement as well. On part à Los Angeles. Allez, c'est parti. We'll go into eighth note clicks, F41, 1 and 2 and 3 and 4 and... Oui, la vidéo sera bloquée, les ayants droit vont frapper et tout fracasser pour 2 minutes de chanson. Il n'y aura plus de vidéo et les gens demanderont. Mais où est le replay? Il est bloqué! Bloqué! Le replay, on n'a plus du tout. Mais à la place de ça, tu peux avoir des images. Alors, profite! Oh oui, j'aurais vraiment de vous laisser cette douce chanson. Mais malheureusement, YouTube, elle fait des trucs bizarres parfois. T'avais l'air super jolie, mais toi-même, tu sais ce qui se passe. Dès qu'il y a ce genre de chanson, c'est la fin des haricots. Alors pourquoi? Mais oui, pourquoi? Dis-moi! Oh oui, dis-moi! Pourquoi? Oh non! C'est la fin du show! Ça va, vous? En forme? Bon, alors, attendez, j'ai une alerte média. Ah, il pleut demain. Non, il pleut tout de suite. Ah, bah voilà, bah attendez, on nous parlait de réchauffement planétaire et de machin, je vous apporte la pluie. Franchement. Voilà, on était en World Premiere. Non mais franchement, c'est super frustrant, j'aimerais bien vous le mettre, hein. Mais vous savez comment ça se passe.
dès que ça chante et tout, dès que machin, claim, ayant droit, boum. Alors, après, c'est, ça peut être démonétisé. Bon, si c'est juste démonétisé, c'est pas très grave, même si c'est archi frustrant quand même, de vous à moi, hein, de se dire que tu bosses quand même pendant des heures, puis top, c'est fini. Mais bon, ça, c'est le jeu de YouTube, on a l'habitude. Mais parfois, ça peut être carrément bloqué. Donc, bah maintenant, j'avouerai que je prends plus le risque. Hein. Voilà, hein. Voilà, c'est le chant de la pluie, on est bien. Tac. Vous pourrez envoyer, bien sûr, hein, ma bande démo pour l'Eurovision de l'année prochaine. Hein. Je pense que je suis prêt, véritablement. Ou pas. Pas du tout. Ah, voilà. C'est le 23 mai que Haunty sortira le sort. Ah, merci. Bah, vraiment. Bah, vous avez été super. Et merci à Hubert, qui devient Insider Classique. Le Julien Intelligence Artificielle a bugué. Non, j'ai juste dormi. Et en fait, quand je dors, bah, je retrouve mon énergie, en fait. Et ça fait du bien. Il y a quoi ? Let's check out a brand new gameplay trailer for Sandland. Fabien, Julien, je te veux dans mon équipe. Peggy 12. Alors, quelle est donc cette mignonnerie? On redevient sérieux quand même, s'il vous plaît. Oh, Akira Toriyama. Donc c'est Sandland. In both the bright light of day and the long dark of night. Donc vous avez ce jeu dans lequel l'eau est devenue une denrée rare. Sandland. Il faudrait que j'essaye. Voilà, franchement, ça a l'air super classe en réalité Sandland et puis... d'une certaine manière, on peut dire que c'est l'une des œuvres posthumes de Akira Toriyama, puisque c'est lui qui a été derrière le caractère design. D'ailleurs, ça se voit, ça se sent totalement. Ça a l'air assez stylé. Et donc, forcément, Sandland, le monde du sable, bah, ça se passe essentiellement dans le désert. Hein. Voilà. Mais le twist, c'est qu'il reste de l'eau quelque part. Ici, là, en l'occurrence. Et sauf qu'il y a un grand méchant qui a rationalisé l'eau à 3 litres par semaine. Ou 3 gigas par semaine. 3 gigas par semaine. Je suis le diable. J'ai toute l'eau pour moi. Vous n'en aurez pas. Voilà. Landroche, punaise, faut que j'aille dormir, Farmy. Mais hé, le dodo, c'est la vie, hein. Moi, j'ai redécouvert ça, là, ces derniers jours. Et donc, ça sort le 26 avril. Oula. Là encore, ça arrive dans un mois. Et oui, la fin du mois de mars a été bien remplie, mais... avril, il y a des choses costauds. Qu'est-ce qu'il arrive ? Sandland is coming to PC, PlayStation and Xbox on April 26th. 2024. This next trailer is for Space Prison, a game where you break out of a galactic complex by collecting contraband, brawling inmates, and raising an army of mutant rodents. Merci les amis. Ouais, je suis en forme, j'aime bien. Mais le show est pas mal en plus, donc à un moment, j'étais au fond de ma vie ce week-end et en début de semaine. Vraiment, j'étais à l'arrêt quoi. 42 fièvres, grand hôtel, sous ma couette. J'avais des spasmes, mais vraiment, en plus, j'étais comme ça. C'était vraiment pas cool du tout. Et les médocs, en l'occurrence, des petits antibios, eh bien, m'ont fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, du bien. Ouais. Et surtout, j'ai dormi, en fait. Et voilà. Alors, bam, boum, et badabim, le bourre-pif, paf, 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 prends-toi ci, prends-toi ça. On est peut-être arrivé dans le ventre mou, là. Ça y est, je le sens, là. Je sens la petite odeur du ventre mou de l'émission, là. Là, on a eu Sandland un petit peu pour masquer tout cela, mais depuis quelques jeux, quand même, on a baissé d'un cran. Et eux, ils se mettent des vents depuis le début.
Now it's time to reopen the future game show Ones to Watch yearbook and hand out one of our prestigious... Ah, Star Wars. Ah oui, non mais attends, ok. Mais c'est leur truc là de sélection des jeux sur lequel il faut garder l'œil. L'œil, celui-là là, l'œil. Voilà, le yearbook. Ça c'est malin. Bon, il y en aura trois hein, d'ailleurs. Il y en a trois et vous avez vu qu'il y a trois lignes. Parce qu'il y a trois futurs game shows dans l'année. Donc, l'idée là, c'est de pouvoir montrer les gros jeux, quoi, qui n'ont pas dans leur show. Hein. On aura compris l'idée. C'est censé sortir cette année. Toujours 2024, mais sans plus de précision. On a toujours eu que ce trailer à nous mettre sous la quenotte. J'espère que ce sera... Vraiment, j'espère tellement que ce sera bien. J'espère tellement que ce sera bien. In the sacred timeline, Star Wars Outlaws sits between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and stars enterprising outlaw Kay Vess. Et oui, c'est entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. A droid bodyguard in a trench coat and a customizable speeder. Voilà, les différents personnages qui vont nous escorter. Alors, ça a l'air super beau. Et alors, ce qui fait plaisir, c'est que pour une fois dans un jeu Ubisoft, les visages ont l'air d'être enfin un peu next-gen. Parce que je trouve que c'est l'une des grosses carences de chez Ubi, c'est les visages. Les visages, c'est pas possible, quoi. Il y a des moments, c'est vraiment trop... C'est trop vieux, quoi. Mais là, ça a l'air mieux. Vous l'attendez comment, ce jeu? Un petit peu, beaucoup, à la fofo, pas du-du, à la fofo, pas du-du. Hein? On est bien comme ça, là. Outlaws is coming to PC, PS5, and Xbox Series X in 2024. But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious puis ça a l'air bien respectueux quand même de la saga. Ouais, j'ai vraiment hâte. Et j'espère vraiment. Star Wars Outlook. Je vous rappelle, hein, c'est comme ça que Yves Guillemot, le boss de Ubisoft, l'a appelé. Hein. C'est Outlaws, bien sûr, mais ah, Star Wars Outlook. Il doit tellement être dans Outlook que... Oula. Il est très blanc. Il brille. Qu'est-ce qui se passe? Leave him alone. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? Qu'est-ce qui se passe? Blockbuster Inc. lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep up the awards. I'm clearly going to be great at this one. Thank you, sir. You're welcome. Ok. Bon, parfois ils font des trucs, je suis pas sûr d'être complètement en phase, mais... Worst cinematic nightmares. Oh, hi, Tom. Hi. To an unforgettable, masterful cinematography. Alors, ça donne quoi? Blockbuster Inc. Game where you make your dream movies come true. Donc, c'est un jeu où on va créer ces décors de cinéma. Voilà. Le cinéma. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de filmer des films avec... des décors très très beaux où il y a des dieux égyptiens qui mettent des coups bizarres sur la tête de Cléopâtre. Et puis on va aux Oscars et on gagne des prix, des récompenses. Voilà, ça fait plaisir. Bah, c'est un SimCity mais ambiance Hollywood. Toute l'histoire du cinéma, les amis, bien sûr, sera disponible pour une... boucher de pain, bien sûr, dans numérique ou en tablette. En tablette, en galette. Voilà, en format physique, quoi. Voilà, des films blockbuster. Ça sort le 6 juin. Voilà, Blockbuster Inc. Bah, eh, c'est plutôt sympa. Oh, Chia. Oh, Chia qui se met à jour. Mais attends, je note ça. Chia qui a été, à mon sens, l'un des grands oubliés des Pégases. J'ai pas trop compris pourquoi.
Alors qu'il était bien chouette. Huit nouvelles mélodies. Un mode acrobate. Pour sauter et faire des trucs, waouh, complètement... complètement fifou quand même. On pourra appeler son bateau. Nouveauté au niveau du bateau. Nouvelle tenue. Voilà, c'est très mignon. Bah franchement c'est bien, ils feront. Vous savez, c'est le jeu où on pouvait se transformer. Hein. Oh là. Oh, et il débarque sur Nintendo Switch. That's right. Chia launches today on Steam and is coming to Nintendo Switch this summer. And that's not all. Sur PC maintenant et sur Switch cet été. We've got a closer look at Rumble Club now, a clumsy combat game that's a complete clobberfest. Try saying that 10 times. OK, bah c'est noté. Le champignon fou. Kinship, brotherhood, throughout time and antiquity. Oui, je suis d'accord, la Switch ça va être parfait pour y jouer. Democracy, debate and compromise through peaceful deliberation, but sometimes there is no more powerful way to make a point. Là, je crois qu'on est rentré dans le moment j'allais dire kawaii, un peu mignon, un peu coloré, un peu pour les enfants. Mais même les enfants, ils se tapent dessus, la preuve. Voilà. Boum. Badaboum. Prends-toi ça. Le Donald's qui t'écrabouille. Attention. Rumble, are you ready to rumble? 23 avril, Rumble Club, sur PC. Bon, en gros, hein, sorte de... Avant d'ouvrir ma bouche, j'avais le jeu, mais... De Fall Guys, voilà. Waouh. Rumble Club is coming to PC and mobile this April. Our next game has musical contributions from none other than Rick Astley. And we promise this isn't some elaborate bit. We wouldn't want to let you down like that. Yeah. On va rentrer dans la dernière demi-heure. J'ai pas fait le décompte. Est-ce que quelqu'un a compté le nombre de jeux? À tout hasard. Peut-être quelqu'un qui compte les jeux. Il y en a 50. Are you sure we can't go back to our old house? You'll soon get used. C'est joliment animé. Think of it as an adventure. Wow. And who might you be? Vous ne regarderez plus votre miroir de la même manière. Look here, this is a prequel. So what do you think I should do? Alors c'est une préquel. 15 000 dessins faits à la main. 80 professionnels. Come on, Simon. Get the magic books. Excusez-moi, mais je trouve ça très chouette. Defeat the big evil wizard. Et à la fois, je vois pas pourquoi je m'excuserais hein, de trouver ça chouette. Hein, pourquoi j'ai dit excusez-moi? Je ne sais pas. Simon, The Sorcerer Origins. Bah, franchement, ça a l'air chouette. Simon, The Sorcerer Origins is coming to PlayStation, Xbox, j'ai bien PC, accroché. Apple and Linux in 2024. So oui, Hubert, un petit côté Chevalier de Baphomet. Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Chevalier de Baphomet qui reviennent aussi, je crois. Enfin, qu'ils veulent revenir avec un Kickstarter. Ok, je sais que t'étais dans un jeu avec un Active Battle, machin, mais là, c'est une production turn-based.
forces of nature, kind of like us, Sam. Come on, what is this, guys? Right? Come on. Right? Do you know what I mean? It's a good gag. It's a funny joke. Why won't anyone laugh? Where did the laughter go? Why do we not laugh anymore? C'est marrant parce que dans les shows du Future Game Show, souvent, enfin c'est même tout le temps le cas, il y a un mec et une nana, et souvent la dynamique, c'est des vannes entre eux. Genre on ne se supporte pas. C'est toujours un peu le même truc. Alors, parfois ça marche, mais quand c'est tout le temps, je trouve ça un peu... Ça va quoi. Ça va. Alors, là, on part dans l'espace. Le projet Mango. Voilà. Project Mango is a collaboration between Tucana Interactive, developers of Dwarf Romantic, and YouTube animation maestros Kurzgesagt, in a nutshell. It's coming to Steam in 2025. Up next, we've got the latest update on Outpost Infinity Siege, a first-person shooter with base building and tower defense elements. It's over. Forget our old doomsday scenarios. In the end, our pride and avarice was to be our downfall. Un gros shooter avec plein de créatures rampantes, des scorpions d'acier, des robots très pointus, très anguleux, très piquants. Une jeune femme qui risque de sauver l'humanité. Voilà. C'est toi, l'avenir que le monde espérait, attendait, voulait, car sans lui, enfin sans elle, rien ne serait possible. Donc alors attendez, j'essaie de comprendre parce qu'en fait, on voit du FPS, ok. Donc c'est du tactical, on peut placer ses missions, ses trucs, etc. Mais on peut basculer et passer, vu première personne et tout, ça c'est classe, ça. Ça j'aime bien. Bah visuellement ça envoie un petit peu quand même, pour le genre bien sûr. Hein. C'est bien péchu, c'est pas mal quoi, concept intéressant ma foi. Regardez, en plus on a l'air d'avoir des robots, bipèdes, on part dans l'espace aussi. Là c'est une espèce de nuée de perso, ça me rappelle énormément Matrix. C'est dans lequel, Matrix Révolution je crois, dans le troisième Matrix, hein, qu'ils arrivent là tous comme ça là. À la fin, là, dans Zion. Outpost Infinity Siege is officially coming to Steam. Ça, non, mais ça, franchement, ça, c'est vraiment les. Matrix. Farewell North, an atmospheric puzzle adventure starring a border collie and its owner. Une petite aventure entre cette jeune damoiselle et son chien. Alors, intéressant de voir que là, par exemple, il y a peu de couleurs, etc. Comme si quoi? Comme si on voyait la matérialisation des, je sais pas, des odeurs pour le chien, je ne sais pas. Parce qu'il y a deux couleurs et demie. Ah, voilà. Et on peut recolorer le monde en trouvant, donc, visiblement, des fleurs. Là, attends, on est devenu l'oiseau. Waouh. Puis là, elle était grande. Puis... Ok, d'accord, d'accord. Très bien. Là, on voit que la couleur, elle suivait pas, non pas le chien, mais les espèces de brebis. Ça a l'air d'être assez original. Ok, donc clairement, faut redonner vie au monde. Ça me rappelle un peu Flower, que j'avais tellement aimé, de J.J. Novacek. J'ai trouvé ça vraiment superbe. On va jusque carrément dans l'océan, attendez, avec des cerfs qui marchent sur l'eau. Ok, c'est un style. Farewell North. Ça sort le 15 août. Thank you for your help, Kelly. Oh, I and Mr. Chesley, of course. Voilà, Pat, Kelly et Mr. Chesley. We're pleased to announce that Farewell North is coming to PC, Nintendo Switch and Xbox on August 15th. Our next game will have you praying to the gods for help as you take on hordes of Draugr in PvE combat. Donc, un jeu de combat PvE. I am the
now Unchained Entertainment. We're currently working on three things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained Engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future. Hello. And also, of course, the name change. It's been a while for us to get where we are. Voilà, donc là, énormément de personnages à l'écran, PVE à fond les ballons, comme on disait. Ça va blaster sévère, mais à coups de grosses haches qui tranchent dans le lard. Regardez, zbra, zbra, zbring. Je vous avais dit qu'on était un peu dans le ventre mou. Voilà. Salut Michel. Donc, voilà, effectivement, oui, il fallait que leur moteur soit capable d'encaisser le choc de tant de personnages. À la fois, si je puis me permettre, c'est pas non plus super méga beau, quoi. Donc, forcément, ça aide un petit peu, quoi. Parce que là, de vous à moi. Oui, c'est ça, un mode. Graphiquement, c'est pas jojo. Hein? Cela étant, c'est peut-être super cool à jouer. Il y a peut-être un feeling incroyable, une sensation de puissance extraordinaire. Je sais pas. En tout cas, celui qui a la puissance extraordinaire, c'est Fournaise, qui rebalance un abonnement Insider pour l'une ou l'un d'entre vous. Et c'est le docteur Jopa qui la chope. Chut, hop là, comme ça, au bon. Donc voilà, ils peuvent vraiment faire beaucoup de changements très rapides dans le jeu. Là, j'avoue que je trouve que ça fait vraiment très très petit jeu. Et par contre, le truc, c'est ils sont deux pour le développer ou parce que on ne voit que les deux. Et quand il y a des plans dans le studio, ils sont tous les deux aussi. Ils sont deux. Parce que s'ils sont deux, là, je comprends. Mais sinon, Early Access. Final Stand Ragnarok will launch on PC this month with console version. Alors là, j'ai pas été emballé des masses, hein, je dois le confesser. On se dit les choses, les yeux dans les yeux, bien sûr. Hein. Là, j'ai trouvé ça un peu complicado. Bon, après, on peut ne pas tout aimer, mes goûts ne sont pas forcément les vôtres. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que c'est pas fait pour moi du tout. Hein. Oula, ça c'est sûr que j'y passerai pas beaucoup de temps, non? Non, 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 on ne peut pas dire ceci, ça c'est pas possible. Bon, voilà. Alors, petit medley maintenant de une farandole de jeu là, voilà, avec Gogo Town. Quand on est à la farandole de jeu, c'est que, un, t'es pas trop trop loin de la fin, il reste plus que 20 minutes, donc restez bien parce que généralement, il y a quand même un petit one more thing qui fait plaisir, quoi. Enfin, c'est le but d'une bonne conf, quoi. Le début était très très bien parti. Après, c'était moins clair. Mais bon. No Rest Over the Wicked, ça c'était cool. Même si on n'a pas appris grand chose de nouveau, hein. Pas à se mentir. Merci mon LOS hein, qui répond présent à fond les ballons, je te partage. Te sens pas obligé de faire tous les jeux non plus. Tous ne sont pas... Ah! Alors regardez! Vite! Regardez! Vous avez des codes là! Plein de codes! Faites capture d'écran! Vite, vite! Enfin, faites plein de capture d'écran! Vite, vous allez tac, dans Steam et vous les mettez vite parce que là, je pense qu'il y en a déjà plus. Voilà. Go, go, go! Allez, go, 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 go! Voilà. Effectivement, je pense qu'il a raison, je pense qu'il n'y a déjà plus de code. Alors,
Nous repartons dans des sphères, dans des planètes inhabitées, étranges, sur lesquelles l'humanité a décidé de, d'établir des camps de base, avec, regardez, des petits véhicules, la création de bases avancées, voilà, des petites voiturettes, mignonnettes. Voilà, hop, le zigzag est total, boum, Sbraga Gang. Fabrication ultra rapide d'unités. C'est une sorte un peu de Lego, quoi. Lego mécano. Hein, avec une petite surcouche de combat. De véhicules qui se mettent bien, quoi. Hein, voilà. Les TerraTech Worlds. Vous pouvez wishlister, hein. Ça sort demain. Ah bah le 22 mars. Ah bah ils nous prennent par surprise, là. Mais c'est demain, oui. Alors. Ah, alors attention, là. On va avoir un shooter en rythme psychédélique. Voilà, on est reparti, bien sûr, dans l'extase ludique la plus absolue, les tripes les plus cosmicaux, bien sûr, avec un mélange de 3D, des effets 2D, ah, oh, le parquet qui s'effondre, bien sûr, et nous tombons loin, très 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 bas, dans Robobeat, Shooter to the rhythm of the night, Insanity, Quelly Gaming. Robo Beat is coming to Steam and Epic Games Store on May 16th, 2024. So, shoot it onto your wish lists. Also, a demo is available right now, so you can dive in after the show. Il y a une démo, si vous voulez essayer, si vous voulez regarder. Sherlock, this next game's for you. The operator has you analyzing evidence to solve impossible, sometimes improbable cases from behind a computer screen. Donc, plus que 19 minutes, les amis. Donc là, il doit nous rester quoi 19 minutes Une petite dizaine de jeux. Donc là, on est enquêteur. Il faut qu'on regarde très précisément ce qui a été... ce qui s'est passé pour trouver... Oh là, mon Dieu. Visiblement, il y a des extraterrestres. Trust no one. The truth is out Mulder. You just have to know where to look. The operator is coming to PC in May 2024. Okay. It's time to jump into our ones to watch yearbook for the last time in the spring showcase. And this okay, donc le troisième jeu des jeux. Ah bah oui. C'est... But just before we get into it, a little scare warning for those afraid of vicious storms, uncertain circumstances. Infestations of otherworldly horrors that slowly seek to destroy you and everything you Donc, un jeu d'horreur là pour conclure ce segment sur les jeux là à ne pas manquer. Voilà, Still Wakes the Deep. Rappelez-vous, on avait vu des images et ça avait l'air vraiment très chouette. Ça avait l'air, déjà, ça avait l'air très très beau. Ça avait l'air vraiment super flippant. Ah bah là, tu vois, typiquement, j'aurais bien aimé en voir plus. Mais malheureusement, dans ces segments-là, c'est cool. On voit des jeux qui sont effectivement alléchants. Mais, généralement, il n'y a pas de nouvelles images. Donc, un petit peu dommage. Parce que ça... On l'a déjà vu il y a un bon bout de temps. Je me demande d'ailleurs si c'était pas un futur game show. C'est bon. Par contre, regardez-moi ça. La mer agitée là, on est dans une espèce de plateforme pétrolière. Et il y a un truc très très bizarre là, comme vous pouvez vous en. Rendre compte. And to sate the appetites of our scare-hungry viewers, we've been working with the team to bring you a terrifying new trailer that will reveal when you can get your hands on it.
Nouveau trailer. Ah si, il y a de la nouveauté. Voilà. Ah, cool. Un nouveau trailer. Donc vraiment, la plateforme, la vie semble s'être arrêtée. Les gens ont disparu. Ils vaquaient à leurs occupations jusque-là quand soudain... You to do what's right by us now, please, Cass. I am so c'est vraiment très beau. Et je sens que ça va faire flipper mes vénères. Ça, c'est un jeu pour Carol. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. Ah, ça suinte là. I love you, but I won't wait forever. 18 juin. Still wakes the deep. Game Pass. C'est bon ça. You heard it here first. Still wakes the deep is coming to PS5, Xbox and PC on June 18th. OK, cool. Let's look at alors le trailer était now. Un petit peu court quoi, mais par contre ça va effectivement faire partie des jeux à suivre. Bah ça, c'est une très bonne addition au Game Pass. Allez, encore un petit medley de différents jeux. Et là, en l'occurrence, eh bien, ça va être de la baston en arène à 30 joueurs, etc. Genre ambiance MOBA style. MOBA style. It is the rhythm of the night. Oh, night. Ouais, bon, d'accord, vous avez compris l'idée. Oui, je sais. Ce soir, je suis. Alors, je sais pas. Certains diront en forme, d'autres diront il est fracassé. Mais en l'occurrence, non, je suis plutôt en forme. Voilà. Je sais pas si ça devrait m'arriver souvent. Mais... oui, ça me passionne pas ça. J'avoue, je confesse. Mais peut-être que vous si. Dans ce cas-là, si vous vous kiffez, expliquez-moi pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes maintenant à 14 minutes de la conclusion de cette émission. Donc, il doit rester quoi ? Si t'as globalement intro, outro comprise de chacun de ces jeux, il reste quoi ? 4-5 jeux ? 4-5 jeux, à mon avis ? Premiere coming up next. So soon after the last one. That's more unlikely than a mobile in Rosaria. World premiere ! To the architect, every idea starts with a single line, springing forth from our ambition, and ending at the edges of our imagination. To them, voilà, j'ai fait toutes les têtes que je pouvais avoir dans mon catalogue de miniatures. C'est voilà exactement Mr. Thomas, c'est mon stock de miniatures. Alors, que doit-on faire à l'intérieur de cet univers, ma foi, bien étonnant, où il semble y avoir moult énigmes à résoudre, des portes mystérieuses bien cachées, des balanciers qui balancent, c'est le but d'un balancier, ma foi, des cryptes étranges, nous sortirons aussi de la demeure, Blue Prince, le prince bleu, oh le prince bleu. Je me souviens de cette légende. Quand j'étais jeune, je me la racontais souvent. Le prince bleu, le prince bleu. Vous pouvez le wishlister. That was your first look at Blue Prince, a strategic adventure game where you create the world you explore. It's coming soon to PC. All right. Alors pour info, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis plus d'une semaine. Hein. Five survivors like set in a world plagued by cosmic horrors. Here's Hordes of Hunger. On aime bien ça, les manoirs un peu flippants, hein? Hein, Tintin? On aime bien ça, hein? Quand ça fait peur, là, hein? Quand ça te saisit le palpitant. Quand tu te dis que, là, tu vois, oh, la petite goutte, là, l'horreur, la peur. Est-ce que vous avez vu qui j'essayais d'imiter un peu, là? Il y en a qui ont des problèmes, hein?
mecs ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Voilà, merci. Vous l'avez. Ah, quand même. C'est ma bouteille habituelle, c'est la Kezak. Non, je vous assure, la chose qui a changé, c'est que j'ai dormi un peu plus que d'habitude. Alors, eh oui, Chevalier Los Palais, bien sûr. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bam. Ah, Régis Los Palais. Tiens non, et si je mettais ça là? Et si j'appuyais maintenant sur ce interrupteur? Je répare des machines, je désamorce des bombes, je résous des problèmes mathématiques extraordinairement complexes. Voyez-vous, je suis une sorte de génie. Je m'appelle Linkinto, c'est comme un compteur Linky, mais c'est Linkito. Linkito voilà. Invites you to connect on voilà. PC this summer. Voilà. Hey Sam, before we get on to the next trailer, I need to ask you something. Why does Carlac have a teddy bear called Clive? Why does Ben have a teddy bear called Samantha? I told you that in confidence. Okay, I'm gonna need some time. Well, that's okay, as we've got another dazzling world premiere up next. Ça a l'air d'être un truc un petit peu Lovecraftien, quoi. Lovecraftien, pour le Lovecraft. Complètement Lovecraft. Je suis un démon très méchant. Je sors. Si c'est pas Lovecraft, ça. L'appel de Cthulhu. Je vis dans un culte sombre. Mais en fait, je suis un city builder. Et là, soudainement, je fais... Ah ouais, ok. Alors, cela dit, on l'avait jamais fait, ça, hein, le City Builder ambiance Lovecraft. Il me semble hein, que c'est une première. Il semble pas trop avoir déjà vu cela. Me semble. Attention. Ah bah là, oui, bon, voilà, Cthulhu, voilà. Bon, bah, c'est officiellement Lovecraft, quoi. Gloops. Worshipper of Cthulhu, voilà. C'est réglé, c'est fait, Sim pas de City débat. Voilà, c'est ça. SimCity en enfer. It's the worst. Worshippers of Cthulhu is worming its way onto PC in 2024. Our next game pairs sur PC l'année prochaine, cette année. On est sous les 10 minutes là. Hein. Donc s'il y a encore un truc un peu fat, c'est maintenant. Là, c'est maintenant qu'on ramène le monde. La musique est tellement fat. Merci ma mode. Je te retweet direct. Ah j'adore, le son là est super prenant quoi. C'est classe. C'est octobre. Le wishlist est maintenant. Le monde Heirloom. You can inherit the heirloom when it lands on PC, Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch later this year. Right. Here's a new trailer for Spine, a cinematic gun-fu brawler. Oh, alors ça, cool. Ça, j'attendais. Rappelez-vous, je vous avais montré un trailer. Ça avait l'air super classe. Regardez. Les animations, ça fait... Oh, pam. Tout en esquive. Ça fait totalement penser à Sifu, mais dans un univers beaucoup plus futuriste, et puis avec une nana plutôt qu'un mec. Quoi. Mais sinon, franchement, ça, on est d'accord, ça fait Sifu, quoi. Et là, c'est... La dernière fois, on n'avait pas vu autant de mouvements. Par contre, c'est vrai que ça manque peut-être un tout petit peu de dynamisme, mais à la fois, c'est peut-être plus réaliste comme ça. En tout cas, c'est virevoltant. Hein. Et puis, elle ne s'embarrasse pas. Elle fait mal.
Ah, là, lui, il rigole pas. This is Gunfu. PS5, Xbox Series, on n'a pas de date. Spine will be spin PS5, its way onto PC, Xbox et PC. Moving on to something a little more sinister, we've got the latest update on Indica, a psychological puzzle game where you play as a nun. Indica, ça a l'air bien sombre. Ça a l'air sombrant. Je prends des petites notes. Des petites notes, voilà, prenez bien des notes. Il te regarde un nerf patibulaire. Si quelqu'un te regarde comme ça, tu flippes. Wow, on se calme les enfants là, qu'est-ce que c'est que ça là? On était dans une ambiance très sombre et là, il pète un boulard. Ça sort le 8 mai. Qu'est-ce que c'est? God, please. Talk to me this one time. J'ai rien compris là. Ok. Bon, c'était pour nous annoncer la date. Bon, ça, je veux bien jusque-là, mais. On était dans ce délire des regards chelous, et puis là, soudainement, c'était la fête foraine. Ah, c'est plutôt joli, ça. Vous avez vu le monde, là, qui se déchirait, qui partait en lambeaux. Bah, il y a un petit style. Lui, par contre, il a l'air toujours au summum de la forme et de la joie de vivre. Ilya will live. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Indica, donc le 8 mai. Très bien. Il y a eu une phase là pour la. Mais au moins, regarde. On a retenu. Tiefling, like how many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Elle a pété un peu. So badly for me. That was Indica, which is coming to PC in Q2 2024. I hate to break it to you, Ben. But this next one is our last trailer. It Dernier is a super trailer. Cool world premiere, though. Et c'est un une super cool world premiere. I'm deeply sad about this. J'ai l'impression qu'on va finir sur une world premiere d'un petit Metroidvania 2D. The promise of a new video game to look at. Curious. Allez, world premiere, c'est la dernière. Normalement, tu finis en beauté. You want the truth, my liege. Tales of Iron. Peace is a fairy tale. Voilà. Something you tell young rats to ah, petite DA sympathique, ma foi, quand même, attends. It's high time you woke up. Regarde. For the nightmare is upon us. Ils ont les crocs, ils ont la dalle, quoi. Bon, il faut dire les termes, quoi. A terrible evil. Il le pique à la gorge. Il veut du terrain. Il veut envahir, il veut le pouvoir. Pardon, excusez-moi. Je me dis que c'est bientôt la fin, alors bon. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que moi derrière, moi j'enregistre une vidéo pour vous faire un petit récap. Il veut dormir, mais il doit travailler. Pour vous. Il va le faire. Je vais le faire. Bah, blague à part, c'est plutôt chouette, quoi. C'est pas... Le royaume a besoin d'un guerrier qui a des dents pleines de sang et qui se fait couper la tête en deux parce qu'il est là, lui. Prends ça, pourriture.
C'est la guerre, les amis. Les souris contre les chauves-souris. Eh, hey, y a un truc. Bah attends, hey, c'est super dynamique. Non mais blague à part, c'est les souris contre les chauves-souris. That was your first peek at Tales of Iron 2, Whiskers of Winter, which is coming to PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Xbox One, and Nintendo Switch in 2024. Allez, allez. But with that, we will have to bid you all adieu. Donc, c'est le grand au revoir. I can feel you laughing and smiling uncomfortably. Why? Nothing, it's just... It's not nothing, actually. It's not the end of the show. Because we have another trailer. It's like a one more thing, you know? Oh, il y a le one more thing, les amis! Ah, ils nous ont fait la surprise! Ils avaient dit que c'était le dernier, mais non, et vous avez bien fait de rester. You know, we've been emailing about this. Eh, attendez, c'est quoi, ça? Ça a l'air d'être un shooter, regardez, je vois une arme au vieux... No, not gotcha, Sam! You've embarrassed me. Gotcha. No, Sam. Gotcha. Not gotcha. Gotcha, gotcha. Not gotcha. Gotcha. Don't go. Gotcha. 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 World premiere. Alors, Big Meal. C'est très haut. Faut pas avoir le vertige. Hein. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien le fait que ce soit un peu posé. Oh là. Oh là. On aurait dit une sorte de Big Daddy, mais en format un peu maigros. J'aime bien que ce soit posé. C'est plutôt joli quand même. Les éclairages sont classe. Hein. Les textures aussi. Regardez là, les espèces de câbles. Oh, j'aime bien ça. C'est une belle manière de conclure ça. Oh là, attends. Ils l'ont pas vu, mais attends, il y a un truc qui arrive là. Qui va scanner la zone. Ouais, pas mal. Industria 2. Industria 2. Donc c'est Unreal Engine 5 et c'est PC. That was pas de date. Industria 2, which is coming soon to PC. So make sure it's on your wish lists. And no more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. But before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in wherever you are. We'd also like to shout out the people behind the scenes who made this spring showcase a reality, and our partners over at PAX. Remember to head over to the dedicated. En fait, vous voyez, c'est ça le seul truc que je trouve un peu chelou, c'est pendant toutes les missions, leur espèce de blague gounette, c'est leur dynamique de groupe, là, de s'en mettre plein la gueule. Et puis là, après, ils font, ah, ça a été un vrai plaisir et tout, ouais, moi aussi, machin. C'est un peu chelou, quoi. Countless layoffs and a growing fog of uncertainty, somehow coupled with headline news about huge profits. We simply couldn't have a show like this full of awesome trailers and demos and presentations without the hard-working people who turn such inspired ideas into reality. The makers of this show and both Ben and I, we want to acknowledge just how difficult it's become to work and feel supported in this industry. So for everyone out there weathering this storm, regardless of what you do, ils ont un mot fort là pour les développeurs, les gens qui ont perdu leur emploi. That things are going to get better. Voilà, ils espèrent sincèrement que les choses vont s'améliorer parce qu'ils disent, ok, on fait un show, on balance plein de jeux, etc. et tout, mais
on ne peut pas ignorer les problématiques dans l'industrie. Et je trouve que c'est bien de l'avoir dit. Après, c'est toujours très difficile de faire des bonnes transitions, mais... C'est juste 60 secondes away, so we probably don't have time to entertain you good people during the interim. I mean, the auto queue's blank, so... I'll start getting undressed now. Give the people what they want, Sam. Voilà, ça y est, il va se foutre à poil, hein, bien sûr, parce que c'est... Voilà, et eh ben c'était le futur game show Spring Showcase 2024. Voilà, alors, moi je vais vous faire le petit récap dans la foulée. J'ai trouvé que c'était pas si mal que ça, au final. Il y a eu du One More Thing, ça avait bien débuté. Je noterai du Industria 2, du Still Wakes the Deep, du Spine, du Zoukosis. Au début, rappelez-vous, avec les girafes chelous, là. Harold Alibut, on a enfin la date. Enotria, du Chia qui revient avec la mise à jour sur PC aussi et sur Nintendo Switch. Et du Tales of Iron 2. Bref, mine 2, il y avait quand même pas mal de choses à l'intérieur. Vous avez été super nombreux à suivre l'émission et je vous en remercie du fond du cœur. Merci de mon cœur de joueur et de créateur de contenu. J'espère que vous avez passé une belle soirée, en tout cas en ma compagnie. Vous le savez, hein, j'essaye de tout donner pour qu'ensemble, on passe des moments agréables parce que c'est la seule chose que je peux maîtriser, c'est cela. Et que vous passiez, eh bien, une heure et demie dans le chat à vous amuser, à rêver et à partager avec d'autres passionnés de jeux vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Alors, on se retrouve très bientôt. Regardez, je vais me mettre où? Je vais me mettre par là, là. Voilà, je me sens bien de me mettre par là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, bien évidemment, à vous abonner, à regarder les différentes émissions qui vous attendent dans le catalogue. Il y a eu plein de tests ces derniers temps et des grosses annonces autour de Apple. Alors, à bientôt. Et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao. Et demain, c'est reparti.